Karine Le Marchand sous le choc. Ce grand danger qu'elle a évité pendant son running. Karine Le Marchand est une grande adepte du running. Chaque jour, l'animatrice de L'Amour est dans le pré ne manque pas de courir en pleine nature. Ce vendredi 16 juin, elle a cependant fait de grandes enjambées, mais pas seulement pour sa passion pour le sport. Karine Le Marchand ne s'arrête jamais. Quand elle ne tourne pas, l'animatrice de M6 profite de ses moments de libre pour se ressourcer auprès de ses amis tels que Stéphane Plaza ou encore Jean-Phi Janssen, mais également quelques anciens candidats de L'Amour et dans le pré qu'elle n'a pas oublié. Outre Pierre et Frédéric, elle s'affiche régulièrement sur les réseaux sociaux en compagnie de Mathieu, qui était en couple avec Alexandre. La présentatrice de 54 ans adore également prendre du temps pour elle en faisant du sport. Quand elle n'est pas dans une salle, la maman d'Alia est une grande adepte du running. Elle participe même à de nombreux marathons. En 2019, elle a ainsi couru celui de New York. Une vraie passion qu'elle partage avec les internautes sur son compte Instagram. Elle ne manque d'ailleurs pas une occasion de partir à grande foulée dans la nature. Karine Le Marchand se retrouve dans une zone dangereuse. En plein tournage d'un numéro inédit de Que sont-ils devenus, qui donne des nouvelles des anciens candidats de L'Amour et dans le pré, Karine Le Marchand a ainsi fait une petite pause loin des caméras en faisant du running. Alors qu'elle pensait pouvoir profiter du soleil et de la nature en toute tranquillité, son sang n'a fait qu'un tour. Dans une story Instagram, elle a dévoilé dans une vidéo qu'elle s'était retrouvée dans une zone extrêmement dangereuse puisque sur son chemin elle est tombée sur un panneau sur lequel elle a pu lire « Danger taureau ». Les dangers du running. Attention taureau, a-t-elle écrit en légende. La marieuse d'agriculteurs, qui n'est pas inconsciente, a certainement dû rebrousser chemin afin d'éviter de croiser l'animal. Karine Le Marchand a eu très chaud.